Je me couche. Mais c'est pas possible, t'as grugé là. Bah t'as qu'à pas me dire que t'as du jeu. Mais j'ai rien dit. Je te connais par cœur, à chaque fois que tu décides d'y aller, tu te redresses, tu regardes en l'air et tu souris. Je me suis juste redressé. Et t'as regardé en l'air, et t'as souri. Allô? Oui? Tout de suite? J'ai été chargé par le conglomérat Global de vous faire une proposition de rachat. Mais pourquoi est-ce qu'il s'intéresse à nous? Alors, depuis la sortie du film Pixar, il y a eu 800 000 canaries vendues dans le monde. 800 000. Aux États-Unis, c'est un raz-de-marée, vous avez eu de la chance. Il y a une étude qui dit que dans 2 ans, il y aura plus de canaries que de caniches. Combien? Alors, 200 000 euros. Quoi, c'est tout? C'est un site de canaries. C'est des canaries, c'est 200 000 euros pour des canaries, c'est inespéré. Non mais si ce que vous dites est vrai, le temps joue pour nous. Ah non, le temps joue pas du tout pour vous, parce que demain à midi, l'offre s'arrête. Merci, ça nous intéresse pas. Attends, qu'est-ce que vous nous conseillez? Si vous refusez, c'est la guerre. Ils vont vous massacrer, ils ont été très clairs. Waouh, j'ai trop peur. Vous pouvez avoir peur, monsieur Bu, parce que ils sont extrêmement puissants, ils vont vous blackbouler auprès de tous vos commanditaires, ils vont vous traîner en justice. Mais pouvez-vous nous accuser de pas être chômeurs? Ils vont vous accuser de n'importe quoi, de plagiat, de porter une veste à carreaux, d'avoir les cheveux courts, j'en sais rien. L'important pour eux sera de vous ruiner en frais d'avocat. Non, mais ils ont pas le droit de faire ça. Je connais la loi. Oui, oui, ils connaissent les juges. Croyez-moi, vous évitez beaucoup d'ennuis en signant. C'est la lutte de David contre Goliath. David, il a battu Goliath, hein? Mmh. Oui, c'est vrai. C'est vrai, David a battu Goliath, ça c'est vrai. Mais là, ce serait, disons que c'est un Goliath boosté à la potion magique et c'est un David qui a cassé son truc, là. Le public est avec nous, ils nous suivent. Je pense qu'on peut négocier plus. Melinda, vous vous souvenez Melinda, le plus grand webmail français? Vous vous souvenez d'eux? Ils ont voulu faire les malins, ils ont refusé les négociations. Ils sont passés là à destin raté il y a 3 jours. Ils nettoient des lunettes maintenant. Opticien? Il y a pire, hein. Non, pas les lunettes, les lunettes. Si tu veux vendre parce que t'y crois plus, ok, mais si c'est pour céder à la terreur. J'ai l'impression d'être retourné à l'école. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Maintenant, c'est à toi de choisir. Alors, vous n'avez pas une décision ?